Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Aristide Lebongi, professeur de philosophie. Une fois de plus, nous allons philosopher avec vous. Et nous allons parler du thème numéro 2, en terminale, les rapports de l'homme avec le monde. Mais j'aimerais d'abord vous faire part d'une petite anecdote. Un père qui était prêt à mourir, il fait venir ses enfants pour leur raconter une petite histoire dans laquelle il dresse un parallélisme entre la ruche construite par l'abeille d'une part et la cabane construite par l'homme d'autre part. Alors, le papa présente deux photos. De part et d'autre, nous avons la ruche de l'abeille et la cabane de l'homme. Il pose la question aux enfants. Entre la ruche et la cabane, qu'est-ce qui est plus technique? Les enfants lui répondirent qu'il s'agit de la ruche. Hélas, papa leur dit, mais attention, vous avez pleinement raison, certes, mais l'abeille, en construisant sa ruche, utilise son instinct. Mais l'homme, en construisant la cabane, fait preuve d'une certaine rationalité. C'est pourtant dire qu'il est conscient de ce qu'il fait. Et par là, le père leur dit, attention, entre l'homme et l'animal, il y a la ligne de démarcation qui n'est autre que la conscience. Parce que l'homme, à travers sa conscience, il s'est doté d'une méthode et à partir de cette méthode, il s'est affirmé comme un être ayant une certaine supériorité ou capable de dompter tout sur la nature. Cela dit, nous pouvons alors revenir sur notre thème, les rapports entre l'homme et le monde. Alors, bien avant moi, vous avez étudié la définition de la conscience. À travers cette étude, vous avez retenu que la conscience vient de deux mots latins. Conscience, deux mots latins. D'un côté, il y a cum, et de l'autre, sensia. Cum signifie avec, accompagné de. Et de l'autre côté, sensia, qui veut dire savoir ou connaissance. Donc, étymologiquement, la conscience se définit comme étant accompagnée de savoir. Accompagnée de savoir. Alors, en dehors de cette définition étymologique, vous avez également retenu
qu'il existe deux types de conscience. D'un côté, il y a la conscience psychologique. Et de l'autre côté, la conscience morale. Alors, la conscience psychologique est tellement théorique puisqu'elle permet à l'homme de se connaître. C'est en quelque sorte un miroir qui permet à l'homme de connaître son fort intérieur, ses états d'âme, comme la tristesse, l'angoisse, ainsi de suite. Alors, quant à la conscience morale, elle est tellement pratique et tournée vers l'action. Elle est en quelque sorte une voie intérieure qui nous prescrit ce que nous devrions faire. Elle nous permet d'éviter le mal et de faire le bien. Cela étant dit, aujourd'hui, avec vous, nous allons étudier la deuxième notion qui s'intitule comme suit, les conceptions de la conscience. Les conceptions de la conscience. À la fin de cette séance portant sur les conceptions de la conscience, l'élève de la terminale doit être capable d'expliquer toutes les deux conceptions de la conscience à partir des connaissances acquises. Bien. Certainement, il y a un mot qui pose problème. Conception. Puisque nous avons déjà défini la conscience. Alors, on peut remplacer conception par quel mot ? De la manière la plus simple, conception veut dire théorie. Donc nous allons étudier les différentes théories de la conscience. En réalité, en étudiant ces différentes théories, nous devrions montrer la nature de la conscience. Autrement dit, le rapport que la conscience entretient avec le monde. Alors, au début de notre exposé, nous avons dit que la conscience est la marque de l'homme. Donc, chaque fois que nous parlons de la conscience, nous ne voyons pas le règne végétal ni minéral, mais nous voyons le règne humain. Donc, la conscience est une spécificité humaine. Voici comment nous allons schématiser la conscience d'un côté et le monde de l'autre. Or, la conscience ici est représentée par l'homme. Voici l'homme. Et il a deux éléments. L'homme a une partie physique, visible, que l'on appelle le corps. Et le corps est représenté par les organes de sens, la sensibilité. De l'autre côté, il y a une partie spirituelle, immortel, invisible, que l'on appelle par conscience. Bien, à votre niveau, la conscience est synonyme de l'âme. Synonyme de l'âme, synonyme de l'esprit, de raison, ainsi de suite. De l'autre côté, nous avons le monde dans sa diversité animale, végétale, minérale, voire même humaine.
L'homme est fasciné, émerveillé par les objets du monde et il cherche à tout prix à les connaître. Tout en sachant que les organes de sens ou le corps ne se limitent que sur les apparences. Or, les apparences sont trompeuses. Donc, l'unique source de connaissance fiable, ce n'est pas le corps, c'est plutôt la conscience. Donc, l'homme va utiliser sa conscience pour aller vers le monde, commercer avec le monde. Donc, la conscience s'oriente vers le monde pour le connaître. Mais quand l'homme va vers le monde, il cherche en même temps à se connaître. En ce moment-là, la conscience ne dialogue plus avec le monde, dialogue désormais avec soi-même. Donc, elle fait un mouvement retour sur elle-même. Alors, quand la conscience se replie sur soi-même, on dit qu'elle est introspective, c'est-à-dire tournée vers l'intérieur. On parle d'une introspection. D'une introspection, entre la conscience et le monde, il y a une rupture. Et en ce moment-là, on parle de l'insularité. Donc la conscience s'isole du monde, elle devient insulaire. Bref, elle est une intériorité pure. Bien, alors, nous savons tous que le contraire de l'intériorité, c'est l'extériorité. Donc, quand la conscience se dirige vers le monde, elle devient extériorité. Autrement dit, elle est extravertie. Extravertie, elle est extériorité. La conscience permet de tisser une relation étroite avec le monde et elle devient intentionnelle. Intentionnelle. La conscience est intentionnelle. Bref, une visée, un projet. Alors, ce schéma nous rappelle deux notions. Deux notions. D'une part, nous avons le cogito. Le cogito avec René Descartes. Et la deuxième notion, c'est l'intentionnalité. Intentionnalité avec Edmund Husserl. Bien, c'est pour autant dire que les différentes conceptions de la conscience que nous allons étudier, je l'ai dit au départ, sont au nombre de deux. D'un côté, il y a le cogito et de l'autre, l'intentionnalité. Mais la science d'aujourd'hui sera portée sur le cogito cartésien. Le petit 1 de ce grand 2, c'est le «
Le cogito, c'est en latin, ce n'est pas en français. En français, on dit cogito, mais en latin, cogi, cogito. Avec René Descartes. Alors, c'est un philosophe français né en 1596. Il est mort en 1650. Bien. René Descartes est un philosophe français du XVIIe siècle. En dehors de la philosophie, il a pratiqué la physique et la mathématique. Faut-on dire que c'est un physicien, mathématicien et philosophe, rationaliste français du XVIIe siècle. Alors, rationaliste vient du mot latin, ratio. Ratio. Ratio veut dire raison. Donc, dans le processus de la connaissance, René Descartes met en avant la raison au détriment du corps, représenté par les organes de sens, qui, selon lui, ne se limitent que sur les apparences et ils sont susceptibles de nous induire dans des erreurs. Voilà pourquoi, dans le discours de la méthode, plus précisément, la première partie, René Descartes écrit, je cite, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. » Le bon sens Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Alors, c'est quoi le bon sens? Le bon sens, c'est la raison. Et l'expression « la chose du monde la mieux partagée » veut dire « naturellement en tout homme ». Autrement dit, la raison est universelle. Chaque être humain est doté d'une raison. Et grâce à sa raison, il peut atteindre la vérité. Mais attention, on ne peut pas atteindre la vérité de façon désordonnée. Il faut avoir une méthode. Et de surcroît, une bonne méthode. Voilà pourquoi René Descartes, dans son souci de refonder la connaissance et de parvenir à une connaissance indubitable, il va se proposer une méthode, à savoir le doute. Donc, la philosophie de René Descartes a commencé par le doute. Alors, son doute ne doit pas être confondu au doute sceptique. Le doute sceptique est dogmatique. Pourquoi dogmatique? Parce qu'il consiste
à douter pour douter. On ne se soucie pas de la vérité. Or, le doute cartésien, il est méthodique, il est radical, il est hyperbolique, hyperbolique. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était mathématicien. Et c'est dans les mathématiques qu'on parle de l'hyperbole. Hyperbolique. C'est pourtant dire que le doute s'étend jusqu'à l'infini. Mais Descartes ne reste pas dans le doute comme les sceptiques. Il va sortir du doute. Donc c'est un doute provisoire, momentané. Voyez? Donc pour atteindre la vérité, il fait du doute un instrument. Donc il se sert du doute pour parvenir à une connaissance qui soit vraie. Autrement dit, le doute cartésien ne prend fin dès lors qu'apparaît une idée claire et distincte. Descartes va alors douter de tout. Des organes de sens, parce qu'ils sont trompeurs. Des vérités mathématiques, parce que selon lui, il y a un malin génie qui peut utiliser sa ruse pour me tromper. 2 plus 2 égale à 4, certes, mais il se peut arriver que 2 plus 2 n'est plus égal à 4, 2 plus 2 soit égal à 5. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire? Que vous vous êtes trompé. Donc, il faut douter aussi des vérités mathématiques ou des vérités de l'entendement, des vérités de la conscience. Alors, Descartes va douter de tout, même de sa propre existence. Mais en doutant de tout, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui échappe à son doute. Si tout est faux, il y a même quelque chose qui est vrai. C'est quoi? C'est le doute lui-même. Parce que personne ne peut pas douter de son doute. C'est une folie. On peut douter de tout, mais on ne peut pas douter de son doute. Comment? Eh bien, quand tu doutes que tu es en train de douter, tu doutes encore. Donc, si tout est faux, il y a au moins quelque chose qui est vrai, c'est le doute. Mais quand tu doutes, tu fais quoi? Tu penses. Quand tu doutes, tu penses. Bien, on peut schématiser. Yeah, douter. Douter égale à penser. Donc, quand tu doutes, cela signifie que tu es en train de penser. Or, pour penser, il faut exister. Finalement, je prends conscience de mon existence dès lors que je pense. Voilà pourquoi Descartes conclut. En latin, bien sûr, il conclut. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Ça signifie quoi en français? Alors, cogito, c'est le verbe cogitare. Cogitare veut dire penser en français. C'est le verbe cogitare conjugué au temps présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Donc cogito veut dire je pense. En latin, on n'a pas besoin de pronoms personnels. Je pense. Je pense sum. Il s'agit de l'auxiliaire être, conjugué au temps présent à la première personne du singulier. Je suis. Alors, finalement, qu'en est-il pour ergo? Ergo signifie tout simplement donc.
Cogito ergo sum signifie je pense, donc je suis. Alors, selon René Descartes, s'il y a quelque chose qui échappe ou qui résiste au doute, c'est la pensée. Donc, le cogito ici, c'est la pensée. Dans l'ouvrage précité, le discours de la méthode, Descartes en fait le premier principe de sa philosophie. Autrement dit, le cogito, c'est la vérité première à partir de laquelle on peut accéder à d'autres vérités. Donc, si je veux connaître le monde, je veux connaître Dieu, je veux connaître quoi que ce soit, je dois partir du cogito. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir après cet exposé? Le cogito, c'est la vérité première, la certitude première. Autrement dit, le premier principe de la philosophie cartésienne. Alors, en tant que vérité première, le cogito présente des caractéristiques. Et nous allons étudier ces différentes caractéristiques pour mieux cerner le rapport que la conscience entretient avec le monde et quelle est la place du cogito dans la vie humaine. Donc, ici, nous mettons cogito. Cogito. Qui n'est autre que l'abrégé du cogito ergo sum. Alors, le cogito a combien de caractéristiques? Il présente deux caractéristiques. La première caractéristique du cogito, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme. À défaut, on peut dire la valeur de la conscience. Quelle est la place que la conscience occupe chez l'homme? Valeur de la conscience. La deuxième caractéristique du cogito, c'est la nature de la conscience. Nature de la conscience. Ce que nous avons appelé le rapport conscience-monde. Bien. Commençons par la nature de l'homme. Lorsque nous examinons cette pensée, je pense donc je suis. Nous nous rendons compte que l'homme, c'est la pensée. Autrement dit, la pensée détermine l'être humain. Et l'homme n'existe que par le simple fait qu'il en pense. Et la pensée devient la caractéristique principale, l'être même de l'être humain. Donc, sans la pensée, il n'y a pas l'homme. Autrement dit, l'homme se définit comme un être pensant. Bien, dans l'optique cartésienne, l'homme, c'est la pensée, autrement dit, une chose qui pense.
et la pensée devient sa caractéristique fondamentale. Pour étayer sa pensée, il écrit dans les méditations métaphysiques. Méditation Il écrit dans les méditations métaphysiques, bon, par rapport à l'édition, donc à la page 83. Si je cessais de penser, que je cesserai en même temps d'être où que je cesserai en même temps d'être ou d'exister. C'était le mot clair. À quel moment j'existe? C'est quand je pense. Lorsque je ne pense pas, je n'existe pas. Donc mon existence est conditionnée par quoi? Par la pensée. Sans la pensée, il n'y a pas l'homme. Et c'est Blaise Pascal qui le dit clairement dans son ouvrage titré « Les pensées », plus précisément à la page 160. Alors, voici ce que dit Blaise Pascal. Je mets la pensée en bas. Pensée fait la grandeur de l'homme. Pensée fait la grandeur de l'homme. Pensée fait la grandeur de l'homme. C'est pour autant dire que la pensée élève l'homme au-dessus de tous les autres êtres de la nature. Sans la pensée, l'homme serait un animal sauvage ou encore une pierre. D'ailleurs, plus loin, Blaise Pascal dit « Je puis concevoir un homme sans main, pied, tête. » Et lorsqu'il parle des mains, des pieds et de la tête, il fait allusion au corps. Donc, je puis concevoir un homme sans corps, mais je ne puis concevoir un homme sans pensée. Ce serait une brute ou une pierre. Donc, ce qui fait l'homme, c'est la pensée. Et c'est dans la pensée que réside son être, que réside sa dignité, sa personnalité. Sans la pensée, il n'y a pas de différence entre l'homme et n'importe quel animal. Bien. Qu'en est-il alors de la nature de la conscience? Alors, selon René Descartes, la conscience où l'âme n'est pas vide au départ. Depuis la naissance, la conscience possède les idées innées mises en elle par Dieu. Or, ces idées représentent la vérité des choses du monde extérieur. En ce moment-là, la conscience étant pourvue des idées, elle ne peut plus aller vers le monde
extérieure qui, aux yeux de René Descartes, est éliminée par l'opération du doute. Sinon, la conscience ne peut que dialoguer avec soi-même. Donc, elle fait un mouvement retour sur elle-même. Autrement dit, selon René Descartes, la conscience s'isole du monde. La conscience est insulaire. Donc, une entité cachée. Pourquoi une entité cachée? C'est parce qu'elle n'a pas besoin du monde. Elle ne s'ouvre pas au monde. Elle s'enferme sur elle-même. Voilà pourquoi, à ce niveau, la conscience est dite autonome. Autonome. Elle est autosuffisante. La conscience est autosuffisante. Elle est souveraine. Elle est subjective. Elle est subjective. Vous voyez, subjective, ça vient du mot sujet. C'est pour dire que la vérité est dans le sujet. Voilà pourquoi la conscience ne peut plus aller vers le monde. Bref, pour parler comme le psychologue, elle est introspective. Ou encore, la conscience est conscience d'elle-même. Alors, bien avant René Descartes, il y a un penseur de la Grèce antique que vous connaissez bien, Platon, qui avait développé la question. Alors, quelle est la position de Platon vis-à-vis de la question? Alors, Platon dit, dans son ouvrage titré « Le Sophiste », « La pensée est un acte intérieur ». Elle se conçoit comme le discours intérieur que l'âme entretient avec elle-même. Autrement dit, quand l'âme examine une question, elle ne se dirige pas vers le monde. Elle se replie sur soi-même en s'interrogeant et en répondant à ses interrogations diverses. Voilà pourquoi René Descartes résume ces deux dimensions de la conscience lorsqu'il a écrit. J'ai connu de là. J'ai connu de là. Que j'étais une substance. Donc, toute l'essence ou la nature n'est que de pensée et qui, pour être n'a besoin d'aucun lieu ni ne dépend
d'aucune chose. J'ai connu de là que j'étais une subsistance dans tous les sens où la nature n'est que de pensée et qui, pour être, n'a besoin de qu'un lieu ni ne dépend de qu'une chose matérielle. Alors, la lecture de cette pensée La pensée, déjà, vous l'aurez, le discours de la méthode, plus précisément à la page 54. Alors, quand vous regardez cette pensée, les deux caractéristiques de la conscience se trouvent bel et bien là. C'est pourtant dit que nous pouvons diviser la pensée en deux parties. Voici la première partie. J'ai connu de là que j'étais une substance dans tous les sens où la nature n'est que de pensée. Donc, jusqu'à ce niveau, on veut montrer la nature de l'homme. Comme pour dire que l'homme est un être pensant. La deuxième partie, qui pour être n'a besoin de qu'un lieu, ni ne dépend de qu'une chose matérielle. C'est pourtant dire que la conscience existe indépendamment du corps et du monde. Elle est donc autosuffisante, elle est entité close, elle est introspective. Voilà la pensée qui résume la conception cartésienne de la conscience. Bien. Alors. Voici le travail que vous devrez faire à la maison. À partir de cet exposé du professeur, puisqu'au départ nous avons dit que vous devriez être capable d'expliquer les deux conceptions de la conscience. Mais la science d'aujourd'hui n'a porté que sur une conception, le cogito cartésien. Mais à partir de cette séance, alors, retrouvez les deux éléments ou les deux caractéristiques de la conscience. Et quelle est la caractéristique qui justifie la nature de la conscience? Et c'est à partir de cet exercice que vous serez en mesure de comprendre ce que nous allons étudier plus tard. La deuxième conception, l'intentionnalité chez ou seul.